Alors attends. Donc. Quel enfer. Ah, le gameplay là-dessus, tu vois, les touches, j'arrive pas. Il va falloir que je. Oh là là. Le problème en fait, ça va pas être la mission. Mais parce que j'arrive pas à saisir les mecs. C'est le problème depuis le début du jeu. Hein. Le gameplay en fait, au clavier souris, c'est infâme. Et à la manette, les touches sont pas les bonnes, on peut pas remapper. Donc je suis en PLS. Marchands corrompus. Trouve leurs étals et détruis-les. Imagine que la touche de. La touche de gauche c'est celle de haut, la touche de droite c'est celle à gauche. Ça n'a même pas de sens, tu vois, c'est même pas inversé, c'est juste fucked up. Alors attends. C'est bon? Ok, ouais, c'est bon. C'est bon, mais j'ai 26 000 connards sur la poire, d'accord. Ah ouais, alors moi les logiciels tiers, mec, c'est du software et tout. Oh putain, mais. Oh, c'est pas possible! Qu'est-ce que je déteste les attaques lentes. Combien? Oh putain! Quel enfer! Ah, putain, attendez. Quel enfer cette quête! Oula! What the fuck? Hop là. Ok. Quel enfer, putain. Ah, la quête des étals, ça va être terrible. Ça va être la pire quête du jeu. J'attends déjà, voilà, c'est counter absolu, quoi. Guillaume de Montferrat a remplacé la plupart des marchands honnêtes de ce quartier par des hommes dévoués à sa cause. Ah bah j'ai bien compris, c'est bon. Obligeant les citoyens à payer trop cher des biens de piètre qualité, il espère ébranler leur foi en Richard. Donne une leçon à ces marchands corrompus. Trouve leurs étals et détruis-les. Oui, j'ai compris. Alors. Donc. Vous pouvez me donner un peu d'argent? Ma famille n'a rien à manger. Donnez-moi quelques pièces. J'ai besoin d'argent, mon brave. Je suis malade et je crève de faim. Ma famille n'a rien à manger. Donnez-moi quelques pièces. Allez. Ok. Ah, c'est un enfer, JPEG. C'est au clavier souris, je trouve ça absolument infâme. Et je me fais spam en plus. Je trouve ça, mais genre. Pire gameplay ever au clavier souris, tu vois. C'est infâme sur 20 là. Moi, ma bonne vieille manette. Le problème, c'est que la manette, c'est tout démappé dans. Ça, mais le 2, je crois que j'avais joué à la manette et c'était pas trop mal. Je sais pas comment j'avais fait pour y jouer sur le premier opus à l'époque. Après, je crois que j'avais peut-être fait sur console en vrai. Non, je l'ai fait sur PC pourtant. Je sais pas.
Après, j'ai dû le faire avec une manette PlayStation. Bizarrement, ça devait être pas un problème. Mais je vais utiliser des DS4 tools et maintenant. Enfin, je supporte plus les trucs qui sont pas plug and play, quoi. Moi, je veux juste du plug and play. Ouais, je suis peut-être devenu feignant en vieillissant, je sais pas. Maintenant, pour moi, si c'est pas plug and play, c'est que j'y touche pas, quoi. C'est plug and play sinon rien, quoi. C'est. Bon, on est pas mal là! Meilleur, un peu mieux que tout à l'heure. Feignasse, ouais, franchement, peut-être. Hein. Peut-être, hein, complètement. C'est vraiment en mode. J'ai vu qu'il y a 40 secondes. Hein. C'est vraiment en mode. J'ai plus la. J'ai vu, tout va bien. Il est juste au-dessus, regarde. Tout était prévu, il est juste là. Regarde, tada! Putain, descend. Pas de pressé. Le gameplay des premiers a quand même vieilli. Merci pour ton aide, Alpha. Franchement, le visuel, l'histoire a pas vieilli, mais alors le gameplay, ça vieillit. Mais c'est exactement le contraire. Ce bout de papier te sera utile quand tu affronteras Guillaume. Moi, je pose la question, pourquoi vous regardez les mecs pareils, Shryzork? Humainement parlant, il amène rien. Côté gameplay, il y a quelques jeux où il va être bon, mais parce qu'il va surtout y passer des milliards d'heures. Et c'est juste du toxique ambulant avec un chat de un chat de toxique, j'ai jamais compris pourquoi les gens passaient autant de temps sur ce genre de stream. Tu vois, moi par exemple, je comprends qu'on ait pas envie de voir le mien, je suis un gros connard. Ne recommence plus jamais ça, tu m'as compris. Il a perdu la... Tu vois, j'ai jamais compris pourquoi est-ce que. Comment. C'est quoi l'intérêt, tu vois. Autant il y a des gros streamers, pour ma part, Oh, quelle horreur, tu vois. Quelle horreur. Mais je comprends pourquoi on les regarde. Je comprends vraiment pourquoi on les regarde, les Français. Parce qu'au moins ils font des trucs quoi, ils essaient de faire des trucs, tu vois, Domingo, Zerator, leur contenu m'indiffère au plus haut point. Il y en a même un qui m'insupporte, mais je comprends vraiment qu'on ait envie de le regarder, soutenir et tout, parce que c'est des créateurs. Et c'est cool les gens qui créent des trucs. Sard, il a jamais rien créé de sa vie quoi. Alors, bon bah ça doit être. En fait, ça se trouve, j'étais pas au bon endroit depuis le début de la mission. Hein. Moi, je vois que ça. Hein. Parce que je pense qu'il fallait aller en haut à droite hein, depuis le début. Je suis pas au bon endroit. Vas-y, je t'écoute. Oh, le gameplay prend pas trop de mon attention. Hein. En fait, je vais poser une question simple. Cite-moi un seul truc où il a été créateur. Une vraie émission, un event, un truc un peu poussé, tu vois. C'est la seule question que j'ai. Si la réponse est non, après on pourra débattre de pourquoi j'en regarde, mais dans ce cas il n'y aura pas vraiment de débat parce que j'aurais rien apporté, tu vois. Bonsoir, D. Qu'est-ce qui lui prend ? Et merci beaucoup Elvolir pour le 3e mois d'abonnement au niveau 1. Merci beaucoup à toi, mec. Merci beaucoup pour le soutien. Ah, j'ai pas les contraires, Izzy. Attention. J'ai pas les contraires. Mais c'est juste en fait vis-à-vis du monde. C'est-à-dire qu'en gros, ma formulation n'était pas complexe. Tu prends par exemple Co-Carnage. Il crée quelques trucs. Pas énormément, mais il crée quand même quelques trucs. Il a son émission par exemple Rob Frame et tout. Mais par exemple, le mec est intéressant. Il a un niveau de fou dans pratiquement tous les jeux. Il tryhard de fou. Il est pas toxique pour un sou. Son chat est. C'est un américain. Son chat est cool. Enfin bref, c'est un plaisir, tu vois. Et moi donc je le regarde, et bah alors qu'il crée pas. Je regarde pour la personne et pour le contenu. Mais je vais pas aller voir, toi j'ai jamais trop regardé drop frame ou autre. Et pourtant c'est un mec qui va avoir 10 000, 20 000 viewers. J'écris jamais dans son chat, je suis en mode pur dans l'ombre, mais j'aime bien ce qu'il fait quoi. Clairement. Alors que c'est pas un mec qui a 26 000 émissions ou autre, tu vois. En tout cas pas à ma connaissance. À ma connaissance il a que drop frame. Ok, maintenant c'est bien par là. Attendez. Non, c'est là où je voulais aller. Ah, c'est devant.
échapper. Va-t'en, c'est Ezekiel et lui, non? Comment ça, c'est Coast? C'est pas Ezekiel et lui qui ont créé la truc? Ah, c'est Itzmi JP. Ah merde, autant pour moi. Donc, Itzmi JP l'a créé. D'accord, ok, ok. Attends, j'ai mal compris. Hein. Je pensais que c'était Ezekiel et lui les créateurs. D'accord, ok. Et c'est quoi maintenant, ils font tourner, non? Putain, j'oublie de maintenir l'espace appuyé. Quel enfer ce gameplay. Le gameplay clavier souris, c'est vraiment le démon. Hein. J'espère vraiment que dans le 2, la mallette marchera bien. What? Ah ouais, on va pas être d'accord par contre du tout. Alors, on va faire dans l'ordre, Shryzork, ok? On va faire dans l'ordre, ok, on va pouvoir débattre. Ça marche. Donc tu m'as dit, je reprends tes arguments. Tu regardes pour la franchise, il part de rien, il donne ce qu'il peut, on lui met des bâtons dans les roues, mais à la fois, ça lui montre sa popularité. Alors, dans le 1, il part de rien, est-ce que c'est pas tous notre cas? Alors lui, tu vas me dire, oui, il est énorme, il est là aussi depuis 8 ans. Bon, ok. Ensuite, il donne ce qu'il peut, je comprends pas trop ce que ça veut dire ça. On lui met des bâtons dans les roues, il se met tout seul des bâtons dans les roues. T'as déjà vu ses posts? À l'époque où j'avais encore Twitter, t'as déjà vu ses posts? Il se met tout seul les bâtons dans les roues, c'est un demeuré fini sur un tas de jeux. Regarde, je l'ai vu sur WoW, c'était un enfer, il chie sur tout le monde, il chie sur tous les sites. On lui met pas les bâtons dans les roues, il se met les bâtons dans les roues tout seul en étant un gros cancer. Et à chaque fois, ça lui montre sa popularité. Et c'est ça qui est triste en fait. C'est-à-dire que les gens, visiblement, ont envie de voir du toxique. Et aiment le voir pleurer, s'exciter comme un fou et tout, à faire sa victime. Donc, et lui se prendre pour un mec à 2000 IQ, alors que c'est un mec qui est pas si futé que ça, tu vois. Peut-être bon en maths, et encore, j'en sais rien, je suis pas de maths. Mais globalement, enfin, quand tu l'écoutes parler ou autre, ça vole quand même pas très haut. Hein. Et pareil sur les jeux, les trucs où il a tryhard, il a mis des centaines, voire des milliers d'heures. Au bout d'un moment, enfin, c'est encore heureux qu'il arrive à faire certaines choses, tu vois. Salut Hicham. Coucou. Alors. Parce que je cherche toujours une enquête, en fait. Hein. C'est toujours le but, là. Hein. Je suis en train de débloquer tous les points d'exploration. Parce que je cherche toujours, en fait, une troisième enquête pour aller assassiner Jean-Michel. Ah, sur WoW, c'était terrible. Il était nul à chier. Il a voulu tout apprendre à tout le monde. C'est à son avantage aussi, je pense qu'il est un peu... Je comprends pas ce que tu veux dire en fait, Shryzork. C'est-à-dire que je viens quand même de démonter la majorité des trucs que t'as dit avant. Et son avantage aussi de faire le demeurer et d'avoir du monde. Oui, bah il est riche. Effectivement, il est riche. Est-ce que par contre je sacrifierais ma santé mentale, mon éthique, ma dignité, mon intellect pour un demi-million? Non, non, non. Non, non, clairement. Hein. J'aime bien l'argent, mais ça c'est limite. Hein. J'ai un demi-million, toi je dis ça au pif un peu. Hein. Il t'en a quoi? Il t'en a 10 000 subs globalement. Bon. C'est triste, enfin c'est. Après, je pense qu'il est convaincu de ce qu'il fait. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est un demeuré. Je pense qu'il est très sincèrement stupide sur certaines choses. Enfin, surtout, mais oui. Et salut Nazuma. Rien d'intéressant en vrai. Je commence déjà à regretter d'avoir accepté le débat. Ta gueule. Ah oui, ça peut être, oui. Maladif. La stupidité peut être maladif, je sais pas. En fait, j'aime... En gros, on est dans une... Tu vois, en fait, en gros, ce qui m'exaspère ici là-dessus... C'est que ça reflète. Je sais pas. Non, alors là-bas, on charge tout de suite Shryzork. Non. 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 Non.
Même pas en rêve, tu mènes les autistes à ça. Non. Non. Non, 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 non. C'est pas... C'est... Non, non. Nope. Nope, 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 nope. Nope, vraiment. Vraiment pas. Foutez la paix aux autistes. Peu importe où ils en sont. Peu importe comment ils se comportent. Ça n'a rien d'un comportement autistique. Rien du tout à voir. Non, Non, Bina. C'est-à-dire que oui, tu as ce qu'on appelle le spectre. Effectivement, t'as un spectre de l'autisme. J'ai pas trop spécialement envie d'en parler. Mais je peux te garantir un truc, c'est que ça ne s'y apparente en rien. C'est quelqu'un qui a compris qu'il y a quelque chose qui marchait bien et qui est là-dedans, et je pense que ça lui pète à la gueule. Il n'est pas si con, mais il est pas aussi futé qu'il aurait bien l'être. C'est la gnolerie. Mais les autistes n'ont rien à voir avec ça. Alors, non, mais Nina, j'ai pas dit non pour, les autistes et le. Alors, de ce que t'appelles degré, c'est un spectre. J'ai pas dit non pour ça, j'ai juste dit que le... Bref, passons, si vous voulez. Comment on grimpe ici? Ok, par là. Disons que ça... En fait, en gros, pour juste revenir sur l'autre point et on va passer aux autistes. Non. Fous-moi la paix, foutez-moi la paix. Ok. En gros, ce qui me déprime, c'est la propagande de la débilité humaine. C'est à qu'en gros que des gens qui sont qui n'apportent rien, tu vois, aient une telle influence, un peu comme un Cyril Hanouna ou autre, tu vois. Ça me déprime. C'est un monde dans lequel on vit et ça me que le demeurer autant d'influence m'a toujours rendu très triste et ça sera toujours le cas. C'est juste la grande tristesse, tu vois. Bah c'est ça, je sais, exactement comme la réalité, ça me déprime aussi, hein. Ça me déprime aussi, hein, complètement. Moi j'ai pas la télé depuis maintenant 12 ans, et j'en vois quand même pas plus mal pour le coup. Je comprends pas. Je comprends que les gens aient envie de se divertir et tout, hein, je comprends des contenus parfois un peu plus light. Mais on n'est pas obligé de tomber dans les bas-fonds de la bêtise humaine, quoi. Bon, ça marche comme ça. Il y a lequel... Alors, Belle Delphine, pour le coup, elle est pas conne. Oh, Belle Delphine, elle est géniale. C'est comme une Jessica Negri. Belle Delphine, elle a tout compris. Hein. C'est les meufs qu'on leur chié le simp, elle a tout compris. Hein. Elle n'est pas demeurée du tout, Belle Delphine, hein, une nulle. Elle est très, 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 très forte. Ah, je respecte sa stratégie de marketing. À un point, elle est géniale en termes de marketing, Belle Delphine. Pareil pour Nigri, pareil pour Pokémon ou autre. Hein. Elles ont une cohorte de simp au cul. Ah, oui, mais... tiens, je suis mort. Elle a tout compris, parce que maintenant, elle fait une sorte de porno soft. Elle est très, très, très forte, elle. Elle s'est créée une image, de désir, tu vois, geekette, etc., etc. Et ça a marché, ça a cartonné son truc. Mais mec, c'est que dalle maintenant. Il faut l'arrêter. Il va finir. Une différence entre malin et intelligent, par contre, là. T'as le droit de penser ça. Par contre, pour le qui soit peut-être plus futé qu'il en a l'air. Mais après, en vrai, si c'est le cas, c'est encore plus triste, je trouve, Nila. Parce que si, admettons que ce soit vraiment intelligent, ça veut donc dire qu'il exploite cette image de demeurer pour gagner du fric et avoir du monde. Qu'est-ce que c'est triste, mon Dieu. Mais
Ah non, moi les meufs comme ça, hein, je vous dis, les gars, les meufs qui ont des millions de mecs oculaires, c'est que c'est d'une tristesse monstrueuse parce qu'elles exploitent une certaine partie de la misère sexuelle de ces hommes. Mais il y en a d'autres où ils sont juste. C'est des vaches à lait, quoi. Alors. Mais ouais, je t'encourage vraiment à suivre les trucs de Belle Delphine, elle a été très très forte. Elle a d'abord créé, tu vois, un truc en mode sexy geekette avec des photos pas porno ou autre. Maintenant, elle fait un peu de porno. Et ça a monté graduellement, mais elle est royale, un côté tunnel. Elle peut faire ça pendant quelques années, ensuite tout le monde l'aura oublié. Et elle sera tranquille jusqu'à la fin de ses jours. Je dis pas que c'est une bonne chose ou autre que je cautionne. Je dis juste que pour le coup, là, ça prouve que c'est malin, comme pour Jessica Negri. Bah, si tu vas sur New World et tu la verras, Dylana. Bonsoir. Oh, c'est pas que des streameuses, hein, pour le coup, Nataskopas. Hein, ça, c'est. Streamer, hein, c'est Internet en général, là. Je trouve pas la dernière enquête. Ça commence à devenir très frustrant. Là, je suis en train de boucler les autres complètement. Poil. Foutez la paix, mes poils. Non, je parlais de Belle Delphine avant, par contre, et non, New World, c'est juste parce que je réponds à Tilana, on mélange les sujets. Hein. Oh, le salaud! Putain, j'ai un petit peu faim. Attends, je prends ce point d'observation. Ah, putain! Oh non, c'était espace qu'il fallait maintenir, pas mage. Quel enfer. Bon, par contre, je trouve pas où il faut aller. Hein. C'est en train de me rendre assez dingue, je vous avoue. Il sait ce qu'il veut. Si seulement vous écoutiez. C'est bizarre. Des tombes, des veuves, des orphelins. Ils sont bien récompensés, nos efforts. J'y arrive pas. Hein. Je suis imaginé que ça fait quand même 1h30 hein, que je suis bloqué sur des enquêtes à la con. Hein. Je comprends pas où il est le mec. Hein. Ça c'est ma faute, j'aurais dû l'écouter le gars initialement. Parce qu'il m'a, je pense, donné la. Il a dû me donner la zone. Je sais pas du tout où c'est. Que fait cet imbécile ? Le Gouya qui fait que jouer, il explose pas. Je sais pas à quoi tu fais référence, putain, quel enfer. Ah mais je suis en train de m'éloigner là. Non, attends, on va aller par celle-là. Je vais aller là-bas. Il a compris comment mettre un terme à notre souffrance. Suivons-le, et il nous mènera à la victoire. Non. C'était la suite de ma phrase au-dessus. Et non, il y a une grosse zone à l'est où t'es pas allé. Bah en fait, j'avais tiflé le point d'observation, mais il y avait que là. En fait, en gros, tu as les points d'observation, même quand tu... logiquement, c'est ça qui va débloquer les events. Et il y en a pas, en fait, à l'est. C'est pour ça que je suis pas allé. Après, si ça se trouve, c'est bel et bien là-bas, hein, je... Parce que là, si c'est pas celui où je vais là, effectivement, il n'y a pas le choix, ça va être là-bas. Bon, ça m'a donné envie de... Je suis désolé, je vais vite faire aux toilettes, ça m'a donné envie de pisser tout ça. A tout de suite. Hop, à tout de suite. Et re tout le monde. j'aime même pas ça, je suis le Bruxelles. Alors, bon. On va y arriver. Mais ouais, le gameplay du jeu m'aura quand même pas... clairement, Assassin's Creed clavier souris, c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. Hein. Après, je pense que ça dépend de nos habitudes personnelles. Vous voyez, il y a des gens effectivement qui sont habitués à jouer aux action RPG clavier souris, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que je suis plutôt un joueur manette là-dessus. Hein. Là, j'en chie. Hein. Oh, putain, j'en chie vénère. Hein. On dirait qu'il a le diable au corps. C'est compliqué. Et je sais pas où il faut aller en plus, qui n'aide pas non plus. Il est où Jean-Michel? Ah oui, là. Salut! Oh, casse-toi! Putain.
Non. Putain, quel enfer. Allez. Ok. Bon, la question étant, si là ça marche pas, c'est que c'est à l'est. Bon, moi je serais fixé comme ça. Et Easy continue de me spam avec ses... Ça c'est Easy qui me spam avec ses... je vais pas arriver. Hein. Avec ses animés toujours. Le mec m'a jamais autant envoyé de message. Ah, c'était bien là. Putain, c'était bien là. Yes. C'est bon. Ah, yes. Yes, 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 yes. Ok, on va pouvoir progresser. Oui. Ah, je vais pouvoir progresser. Salut l'acrobate. Sérénité, Altaïr. En ce qui me concerne, mon sort est déjà scellé. J'ai ce que je mérite, je suppose. Je suis montré imprudent et les archers de Guillaume sont après moi. Je pourrais m'en occuper moi-même, mais pour être honnête, je manque d'adresse. Est-ce que tu voudrais les tuer pour moi? J'ai quelque chose qui pourrait t'aider en échange, si tu acceptes. Mais attention à ne pas te faire repérer. Me faire repérer? Jamais. Faut que je fume les archers. Ah, oh, ça c'est tranquille ça. Mais je m'en bats les couilles que tu sois pauvre meuf. Chacun sa merde, écoute, la vie est dure. Hein. De 1. Non, putain. Désolé, ça a dû saturer un peu. Quel enfer. Ok, où est le deuxième Jean-Michel? 2. Ah, j'ai jamais aussi discret, bordel. Ok, je vois le troisième. Je vois le troisième. On va essayer de continuer à être discret. Allez, bim! Oh là 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 là! Ça y est, je suis un ninja. Ça y est! Je sors ma... Putain, le jeu a quand même joué pour fondeur de champ, hein. À toi, putain. Vous aimez ça? C'est vraiment... Il y a vraiment des gens qui, genre, qui mangent le boussier pour le plaisir, quoi, tu vois. Quelle horreur.